7, let's go! Salut les filles et garçons, aujourd'hui je vous retrouve dans ce bikini avec Sissi numéro 7. À chaque fois je précise numéro 7, ça a une importance capitale. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance booty. Vous allez surkiffer, on va travailler vraiment le booty à 360 degrés en volume, mais également sur le moyen fessier pour tout ce qui est culotte de cheval, etc. C'est vraiment la séance que vous allez surkiffer. Et je suis une bonne commerciale, je vous la vends, vous êtes obligé de la faire maintenant. Et en plus, quand même, argument de folie, elle est courte. Si avec ça vous partez, vraiment je ne peux plus rien faire. Fastoche, pas beaucoup de matériel requis, soit rien si vous n'avez rien, ça fonctionne, surtout si vous êtes débutant. Un élastique pour intensifier un petit peu si vous en avez un, et si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à mettre des lestes, ça fonctionne tout aussi bien. Aujourd'hui, on fait un peu funky, nous on va prendre des élastiques, et voilà, adapté, il n'y a aucun problème à cela. Tini est à la régie comme d'habitude. Yeah, buddy! Il est là, il va nous motiver tout le long de cette séance et on va commencer sans matos pour le petit échauffement. 3 minutes comme à notre habitude. On se met en position. Est-ce que tout le monde est prêt, les filles de Jean? On y va en attaque? Allez, c'est parti! Flexion! Petite flexion. Donc là, on active le booty, on active le corps, on fait monter la température corporelle. L'échauffement, il a vraiment plusieurs fonctions. Échauffer les articulations, échauffer les muscles et augmenter votre température. Donc là, ben c'est le top pour ça, même s'il n'y aura pas forcément beaucoup de squats dans cette séance. On est vraiment plus aujourd'hui sur des exercices ciblés. Cette séance, vous pouvez également la combiner à d'autres qui sont plus cardio. On enchaîne, élévation latérale gauche. Ok, on reste debout. Donc vous pouvez la combiner, si vous voulez, une séance plus longue avec une séance d'exercice polyarticulaire après. C'est un très bon exercice, ce sont des très bons exercices de pré-fatigue ou après en finisher, tout est possible. Donc là, on engage son moyen fessier, on inspire, on souffle, yes, on se met en condition. On allez, va, on va changer de jambe. On part de l'autre côté. 3 secondes. Ah ben, j'ai anticipé. C'est pas grave. Moi, tu me dis on change de jambe, je change de jambe. Hein. On va, laisse-moi finir ma phrase quand même, on va changer de jambe. Donc, moi, je suis au taquet aujourd'hui, hein, le booty. On est à l'échauffement, si on se calme. Ça va bien se passer. Allez, on y va. Non, on a dit pas de cul galette dans la team des filles de Jean. Il n'y aura pas de cul galette aujourd'hui, je vous le dis. Allez, on inspire, on souffle bien. Yes. Équilibre. Si on a un peu de mal, on n'hésite pas à s'appuyer sur un dossier de chaise que vous voulez. 5, 4, 3. On va passer sur des fentes arrière gauche. Ok. Donc là, on en profite pour échauffer un petit peu également, toujours articulation. Mais on active sa contraction volontaire de la fesse, de la jambe avant. On inspire, on profite de l'échauffement également où on a un rythme plus léger, plus détendu pour se concentrer sur sa bonne posture et adopter le bon mouvement et en profiter pour connecter son cerveau aux muscles. Là, il faut connecter le cerveau au booty. Hein, connectez-le, connectez-le. Dans 3 secondes, on va changer de jambe. Ok, dernier, on change. Ben moi, je peux vous dire, les filles de jambes, que ça chauffe déjà. Il est connecté, c'est bon? Ah ouais, ouais, il est connecté. T'as appuyé sur le bouton on. Il est connecté. Il demande que ça, un peu de temps. Tu sais, c'est quand tu connectes ton téléphone au Bluetooth? Ouais, c'est pareil, ça arrive tellement rarement que t'es trop content. iPhone connected. Ben là, c'est exactement comme le Bluetooth, faut le vouloir, les petits gens. Booty connected. Allez, dans 5 secondes, on passe sur un soulevé de terre. Ok, dernier. Donc là, jambe tendue, je vous montre de profil. On descend et on remonte. Donc là, on active. En étirant et en contractant la chaîne postérieure. Bon, soulevé terre au good morning. Ouais, c'est vrai. Plutôt c'est good morning. C'est un good morning. L'objectif, c'est vraiment d'activer aussi également le bas du dos. On profite au passage pour saluer le soleil. Ah ouais. On est au top aujourd'hui, les filles de Jean. Il y a un beau temps, regardez-moi ça. 5, 4, la mer Méditerranée 3, va venir dans votre océan. 2, dans votre océan, dans votre 1, salon. Petite pause. Ok. Donc, on s'hydrate si nécessaire. On va partir ensuite sur un circuit activation booty avec élastique de 10 minutes. On en profite du coup pour mettre son élastique. Oui, oui. C'est le moment où jamais, là, les filles de Jean, accrochez vos lestes. Donc l'élastique, c'est un peu tricky. Hein. C'est le truc, des fois, il se barre, il fait un peu sa life. Donc on va vraiment devoir peut-être le réajuster, mais ça fait partie du jeu, c'est on pas grave. On va démarrer sur un soulevé de bassin plus abduction fessier dans 3, ok, 2, on s'allonge, les filles de Jean. On monte le booty, on écarte, on revient, on descend. On inspire, on souffle. Bon, pour l'instant, l'élastique, on a l'air docile aujourd'hui, on va voir. Il m'a pas l'air trop rebelle.
y a plusieurs espèces. Hein. Tu as l'élastique docile, tu as l'élastique rebelle. Ça dépend où tu te fournis, tu vois. Ils sont pas tous coopérants. Donc, on enchaîne ensuite sur une abduction fessier assis. Ok. 3, dernier exo. 1. On reste dans la même position, on s'assoit. Et là, on vient chercher l'abduction. On inspire, on souffle. On gagne évidemment le ventre. Yes. Allez. On lâche rien. Donc là, on est vraiment sur une bonne activation. Hop. Allez, vous avez vu qu'à un moment, il fallait... Il n'est pas docile, celui-là. Non, il allait faire une rébellion. Ça, c'était sûr. Allez, on inspire. Allez, dans 5 secondes, on repasse sur le dos. 3, 2, 1. Ok. On se rallonge. Bon, ça fait partie du jeu. Comme je vous le dis, on n'a pas trop trouvé encore. Il y a ceux en tissu, mais le problème de ceux en tissu, souvent, c'est qu'ils sont moins élastiques. Ils sont la résistance est plus forte. Donc, c'est plus ou moins adapté en fonction des mouvements. Vous avez généralement moins d'amplitude, mais ça fonctionne aussi. Donc, voilà, vraiment, faites en fonction de vos préférences. Il n'y a pas de règle. Hein. Ça va chauffer dans le legging dans tous les cas. Allez, on va repasser en mode assis dans 3, 2, 1. Ok, on remonte et on continue. Donc là, bonne petite activation. On y va. Dos droit avant de gainer. On reste gracieux, hein, on ne se tient pas comme Quasimodo. Let's go. Allez, on y va. On enchaîne ensuite sur des donkey kicks sur les genoux dans 5, okay. 4, 3, 2, 1. On se met donc sur les genoux. Là, je vous conseille de caler votre élastique sous le genou qui reste au sol. Et on va chercher du coup le donkey kick, talon vers le plafond. On inspire, on souffle. Yes. Allez, let's go. On lâche rien. Ça commence à chauffer là. Ensuite, on va ajouter kick genou latéral dans 3, 2, 1. Boom. On alterne. Allez, avec le donkey kick. On alterne. La sensation n'est pas la même que sur un donkey kick avec lest. On sent vraiment la résistance en fait qui s'intensifie en fonction de l'amplitude quoi. Plus tu vas chercher loin, plus c'est dur. Allez. On va enchaîner sur un kick lat seul dans 3, 2. Waouh, ça brûle. 1. Let's Allez, go. Kick latéral. Donc là, on a moins d'amplitude que sans l'élastique, hein, c'est normal. Ouh, ça brûle, ça brûle, ça pique. Waouh. Allez. Tu vois, avec le smile. Ça fait mal, mais on aime ça. Avant le booty on fire. Ensuite, on va te mettre sur le côté. Élévation latérale gauche. Ok. Dans 5. Ouh. 4. Allons, tiens. 3. 2. Oh 1. My god. On s'allonge. On en profite pour le repositionner. On va pas se faire un garrot quand même non plus. Hein. Sur le côté, élévation latérale gauche. Donc on plie la jambe du dessous. Et là, on va vraiment chercher l'étirement. De l'élastique, bien sûr. Hein. Allez, on contracte. Pointe de pied vers le bas. Ensuite, on retourne sur les genoux. Et on fait la même chose côté droit. Ouh. 3, 2, 1. Donkey kick. Ok, on repart de l'autre côté. C'est parti. Coincez votre élastique sous le genou gauche. Ça pourra vous être utile. Let's go. On inspire, on souffle. Ça brûle. Allez, la jambe de terre là. Waouh. Allez, on lâche rien. On va rajouter le petit kick latéral dans 5, 4. Ça chauffe, ça 3, chauffe. 2, 1. Ok, et hey, la jambe qui vient de bosser, elle est en feu avec le travail de stabilisation là. Ouh. Là, on va avoir un booty pimpé. Je sens qu'il va y avoir des selfies booty après sur Instagram. N'oubliez pas en tout cas d'utiliser notre filtre Bikini avec Sissi. Si vous partagez vos selfies, ça nous fait trop plaisir. On se reconnaît. Dans la team Pigeon. 4, 3, 2, 1. On reste sur du latéral. Ok, waouh. Et là, ça va brûler. Mais on s'accroche, on y va. Et cet élastique, il a l'air de rien. Mais punaise, oh, qu'est-ce qui fait mal. Un petit truc de rien du tout là. Oh.
Allez, on tient. Qu'est-ce que ça chauffe. On a aussi mal à la jambe de terre qu'à celle qui travaille. C'est normal puisque l'autre a déjà bossé et continue d'être On va s'allonger sur le côté. Élévation latérale dans 3, okay. 2, 1. C'est parti. On se met sur le côté, jambes pliées. Oh là là là, qu'est-ce que ça fait mal. Et on y va. On inspire, on souffle. Pointe de pied vers le sol. On tient. Let's go. On repasse sur les genoux dans 5 secondes. Waouh. 3, 2, 1. Donc, okay. On repositionne et on repart. Prenez 2 secondes pour mettre votre élastique correctement. Donc, kick, c'est reparti. Allez. Là, ça commence à bien chauffer. Mais on lâche rien. On s'accroche. N'hésitez pas à acheter des petits élastiques, ça coûte pas cher. On rajoute le kick latéral dans 3, okay. 2, 1. N'hésitez pas à acheter un petit élastique, ça peut vous permettre de varier les sensations, varier les exercices, faire ce genre de vidéo, bah, pas forcément avec des lestes. Et c'est vrai que c'est pas très cher, c'est un petit investissement et c'est assez intéressant du coup pour pouvoir varier vos trainings. Surtout à la maison, ça prend pas de place, c'est assez pratique si vous n'avez pas forcément de lestes ou autre. C'est vraiment ultra pratique. 5, 4, 3, 2, 1, latéral. On reste sur le côté. Waouh. Là, si après cette séance, vous me dites que vous avez pas mal au boutis, c'est que vous n'êtes pas venu dans le cours du jour. C'est pas possible. Je vous crois pas. Allez, on tient. On s'accroche. On a mal aux deux fesses. Autant la gauche que la droite, c'est normal. Allez. Oh my god. On passe sur le côté dans 5 secondes. On tient, on tient, on tient. Dernier. Ok. On s'allonge, on reste du coup sur le travail de la même jambe et on y va. Allez. Pointe de pied vers l'intérieur. On lève la jambe, concentré, focus. Allez, on tient. Wouh! On va repartir sur les genoux dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc okay. X. Oh my god. Même jambe? Non, non, change de jambe. Ah, ok. Ça m'étonnait aussi. Allez, on repart de l'autre côté. Ce circuit, franchement, on l'aime autant qu'on le déteste. Le booty, c'est que ça fait quand même vachement mal quand t'es dessus. Mais qu'est-ce que t'es content et c'est satisfaisant. On rajoute le kick latéral dans 5 secondes. Ok, allez, on en fait encore un et on enchaîne. On alterne. C'est vrai, hein, Tini. Moi, quand j'ai les courbatures au booty, les fidgets, je suis trop contente. Je dis yes, enfin. J'avoue. Hein? Sérieusement, t'es pas genre trop content. Après, faut pas aussi croire que si vous n'avez pas de courbature, c'est que vous n'avez pas travaillé. Non, hein. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est-à-dire que quand vous avez l'habitude de faire un exercice ou une séance, vous n'allez plus forcément avoir des courbatures parce que votre muscle est habitué, mais ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Il ne faut pas baser la réussite de sa séance sur les courbatures. Exactement, on reste sur le côté. Ok, maintenant. On s'accroche. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire ce type de mouvement déjà, ne soyez pas surpris de ne pas forcément avoir de courbatures demain. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé. Mais néanmoins, quand tu as des courbatures au bout, tu es quand même content. Moi, c'est vrai que ça m'arrive rarement parce que je m'entraîne quand même régulièrement. Donc, mes muscles sont habitués. Et du coup, quand ça arrive, genre, c'est Noël, quoi. On passe sur le côté dans 3, okay. 2, 1. Moi, je suis pas spécialement fan hein, parce qu'après, quand il faut s'asseoir et se relever… Ah ben, c'est clair que ça pique. Hein. C'est un enfer. Allez, on passe sur les élévations. Ready, on y va. C'est parti. Inspire, on souffle. Allez, on tient. Il y a Pauline qui est en train de se faire un goûter derrière la caméra. Pour une fois que c'est pas moi. Pour une fois que c'est pas Tini les popcorn, elle croyait qu'on allait pas la voir. Elle se tape un petit granit. 3, 2, 1. Break de 30 secondes. Ok. On se repose. Et vous avez remarqué et que on dans se cette prépare. Équipe, c'est toujours les mêmes qui mangent et c'est toujours les mêmes qui travaillent quand même. Hein. Le Bikini Challenge est enfin arrivé.
Exactement, on va se préparer parce qu'il va arriver très vite. On va partir pour 30 secondes. On enlève Céleste. On va faire un maximum de commando legs. Waouh! Alors ce bikini challenge, il va piquer. Est-ce que vous êtes ready? Maximum de commando dans 3 secondes. On y va, les Fidji, on envoie tout. Let's go! Alors là, ça compte pour un quand vous avez fait, on va dire, une jambe complète. Là, ça compte pour deux. Allez, on change. On y va, on envoie. Là, on est à 4, si je ne me trompe pas. Comptez dans votre tête. Vous nous direz sur les réseaux, du coup, combien vous en avez fait. Voyez, pour être le plus rapide, on reste le bassin au même niveau. 10 et secondes. On envoie. Allez, dernière ligne droite. Waouh, ça brûle. Let's go. 5 secondes. Ouh. Allez, on s'accroche. 2, 1, boom. Et le dernier. Wouh. L'oreillette me dit 14. 14, eh, 14 en 30 secondes. Entre deux bouchées de granny, l'oreillette me dit 14. Pauline est mange, mais Pauline est compte, alors ça va. On okay, se prépare ensuite. On va terminer la séance par un circuit. On remet debout sous élastique. Et on va partir pour des squats plus abductions. Yes. Dans 5, 4, alors, on se réinstalle. 3, 2, 1. Ok. Élastique au niveau des genoux. On descend en squat et on monte une jambe. On alterne. On respire. On souffle. Allez. Là, on est sur un travail polyarticulaire. Ça va piquer après l'activation. Faites attention lorsque vous descendez. Vos genoux doivent lutter contre l'élastique. On enchaîne ensuite sur une abduction debout, gauche. Ok. Donc 3. On reste. 2. 1. Ok. On reste en l'air. Abduction sur le côté. On inspire, on souffle. Yes. Allez. Pointe de pied vers l'intérieur. Là, on est en mode équilibre. On va passer ensuite là, sur la jambe. Tous les muscles profonds sont activés pour stabiliser. Droite. Ok. Dans 5 secondes. Allez, dernier. Encore un. Et on change. Ça pique, hein. Ouh. Allez. On lâche rien. On respire, on souffle, on est focus. C'est bientôt la fin de cette vidéo. Ça avance à grands pas. On donne tout. Allez, on tient, on tient. On va enchaîner sur des squats plus abduction gauche dans 5 secondes. Ok. On va rester que sur la gauche. C'est parti. Squat et élévation de jambes sur la gauche. On inspire et là, bam! Donc là, on a les deux fesses qui travaillent sur le squat. La gauche avec l'abduction, mais également la droite pour stabiliser. Vous devez le sentir, hein, de toute façon, là, j'ai pas besoin de faire un dessin normalement. Allez, dos droit toujours. On va passer sur la jambe droite dans 5, 4, 3, 2, 1. On enchaîne. Yes, belle transition. T'as vu ça? C'est ça qu'on aime. Les transitions smooth. Ouh. Allez, t'inspires, tu souffles. Let's go. On contracte, on contracte. Ensuite, on va repasser en squat plus abduction alternée. 3, 2, 1. Ok, au milieu, à gauche. Là, on tient, ça permet d'avoir une jambe qui se repose pendant que l'autre travaille, vous voyez. Les genoux ne rentrent pas à l'intérieur, on lutte contre l'élastique. Ça doit brûler, hein. Allez, quoi? Ça doit brûler. Ça brûle bien, je confirme, je confirme. Allez, ouh. On passe ensuite sur des fentes arrière gauche. Ok. Dans 5 secondes. Allez, 3. 4, 3, 2, 1. Ok, on y va. Fente arrière, ça pique, ça brûle, on y va. Fente arrière gauche. Donc là, petite amplitude. On va quand même chercher l'étirement. Oups. Donc là, n'hésitez pas à le replacer si nécessaire. Mais normalement, ça va. Donc là, on a la fesse de gauche. Enfin, la jambe avant. On va ajouter une élévation arrière dans 5 secondes. Yes. Waouh. Ok, on va ajouter l'élévation, on descend et on lève la jambe. Yes, allez, on descend. Waouh, cette sensation de brûlure
Elle est intense. On lâche rien. Allez, c'est bientôt la fin de ce training. Ouh, on a le booty pumpé. On va changer de jambe. Ok, quand? Dans 5 secondes. Ok. Et on repart sur des fentes arrière. Ok. Wow. Allez, on se repositionne, on y va, on est reparti. À droite, let's go. Fente arrière. Et je reviens. Ah, ça y est, là c'est la minute rébellion. Je le sens, là il y en a marre. Heureusement que la séance se termine bientôt. Allez, on est reparti. On gratte pas. On expire. On rajoute une élévation arrière dans 3 secondes. Ok. Allez, allez, c'est la dernière minute de ce training. On donne tout. Allez, élévation. On a les deux fesses qui travaillent. Celle de la jambe avant sur la fente. Celle de la jambe arrière sur l'élévation. Allez. Yes. Let's go. Et ensuite, on va terminer sur squat statique plus abduction. Celui-là, il va faire mal. 4. On lâche rien. 3, 2, 1. On se repositionne. Mettez-vous confortable. 30 secondes pour tout donner. On se positionne en squat. Et on va chercher l'ouverture au niveau des genoux. Ça pique le booty. On n'a pas une grosse amplitude, c'est normal. Je vous montre de profil. Le dos est droit. On est en position chaise. Ouh. Allez, 10 on secondes. Tient. 10, 9, 8, 7, wow. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Ouh. Bravo les filles, genre, cette séance, elle fut intense. Et j'ai même pas le courage d'enlever l'élastique. Il va rester là toute la journée, toute la soirée, je vous le dis. J'espère que le booty a bien brûlé chez vous, que vous avez kiffé cette séance fessier en notre compagnie. On vous fait plein de gros bisous et on vous retrouve pour la dernière séance du bikini avec Sissi dans quelques jours. Partagez-nous vos selfies dégoulinantes, vos selfies BAS, vos selfies Bikini Challenge. On veut tous vous voir sur les réseaux et surtout on vous fait plein de gros bisous. À très vite. Ciao, ciao. À bientôt.